Tous ensemble, on va mettre le casque sur les yeux et on va revenir dans cette position. C'est parti. Le spectateur, ils sont considérés comme notre testeur pour une audition du cirque. Ils vont alterner d'être équipés par des casques virtuels et à la fois de voir des spectacles vivants réels. Et on essaye du coup de ramener les gens dans ce voyage où petit à petit, ils deviennent du coup des artistes du cirque et ils passent pas mal de peurs et de risques qu'on ne pouvait pas passer peut-être dans la vie normale. L'idée, c'était vraiment de ramener une rencontre organique entre le réel et le virtuel. Et pour ça, on a voulu vraiment utiliser le savoir-faire dans le spectacle, c'est-à-dire tout ce qui est corporel. Rajouter des éléments autour le visuel, comme par exemple de l'odorat, comme par exemple du son qui se tourne, comme par exemple de touches ou des objets, par exemple à la fin. Tu es assis sur un trapèze, comme toi tu es 10 mètres de hauteur virtuellement, pour justement venir ajouter cette couche de réel dans la virtuelle.